aujourd'hui, c'est un peu déguisé comme on voulait, vu que c'est la journée des blagues. Enfin, moi, je me suis fait surtout une nouvelle coiffure encore. J'espère qu'Estelle va l'aimer. Alors aujourd'hui, on est mercredi 15 avril et on aime toujours rire. Alors, on a bien reçu toutes vos blagues, on est très très contents et on va tirer au sort aujourd'hui. Encore une fois. Oui. Et ce sont d'autres, évidemment. Alors, je choisis... Oban, 6 ans, Omerville. Alors, Oban, 6 ans, Omerville, dans notre village, c'est dans le Val d'Oise. Encore, monsieur géométrie. Non, pas géométrie. Géographie, voyons. Alors, géographie. Oban, elle a fait une blague très drôle. Zoé, c'est, comment on appelle un rat qui est fatigué? Je sais pas, moi. Mais si, tu sais. Non. Ah un... oui. Il est... Oui. Un rap-la-pla. Merci, Oban. Pas mal, Oban, bravo. Alors. Quoi? Suspense. Il y a un paquet de blagues. Là. Ah oui, oui, là. Sacha, 7 ans. Mange à vous. Dans le 60. J'ai dû réviser un peu. Très bien. Alors, Sacha, elle a fait une blague. Oulala. Un peu. Ouais, Zoé, elle voulait pas trop la raconter. Olé, olé. Ouais. Olé, olé. Hein. Alors, comment appelle-t-on une personne qui parle toute la journée mais qu'on devant, n'écoute pas. Devant tout le monde et qu'on n'écoute pas forcément? Je ne sais pas vous qui dit la réponse. Elle veut pas dire la réponse. C'est la maîtresse. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Bon, pardon. Les maîtresses te voient ça. Hein. Pardon les maîtresses, hein, pardon. Bon, allez, à suite. Merci, Sacha. J'ai beaucoup ri. Catherine, 65 ans, Saint-Étienne-du-Rouvray. Dans le 76, ouais. À côté de Rouen. Bravo. Alors, Catherine, elle nous a fait une devinette. Qu'est-ce qui est rond ou carré qui n'a pas d'œil, voilà. Qui n'a pas de nez, qui n'a pas de bouche. Oui, et qui glisse. Et qui n'a pas de bras, attention. Ah oui, qui n'a pas de bras, pas de jambes. Ni de pieds. Un esquimau. Non. Il a des pieds. Non, mais la glace, esquimau. Ah, oui. Non. Tu c'est... peux dire. Vas-y. Le savon. Ah oui. Le savon. Bravo. Merci, Catherine. Blamécourt. Elle a 36 ans, mais à l'envers. Ça veut dire qu'elle a... Non, 36 ans. Alors, Tina, sa blague. Elle a 63, ça veut dire. Bon, ben voilà. La vérité sort toujours de la bouche des enfants. Et tu savais que les petits pois... Mais non. Je sais plus, vas-y. De quelle couleur sont les petits pois? Bah, ils sont verts. Non. Ah bon bah, pourquoi? Bah parce que, non c'est pas ça, ils sont pas verts. Bah ils sont quelle couleur? Bah ils sont rouges, poissons rouges. Les petits poissons rouges. Pois, petit pois, petit poisson rouge. Merci Tina. 36 ans. 36 ans. Alors là, celle-ci, elle vient de très loin. Stéphanos. Stéphanos. Voilà, Stéphanos, oui. 6 ans et demi. Ça vient de très loin. Le fils de Dimitri et Katharina. On leur fait un gros bisou. On l'embrasse. Et ils sont à Santorin, en Grèce. Alors, ils sont loin. Hein. Celle-là, elle est venue de loin. Faut que tu leur dises, on vous embrasse en grec, d'ailleurs. Ah oui, tu sais comment on dit, toi? En grec? Je sais plus. Philakia. Ah oui. Alors, la blague, quand même. Donc c'est toi qui commence. Bonjour madame, je voudrais un livre. Ah oui, quel auteur? De quel auteur votre livre? 20 mètres. 20 centimètres. 20 centimètres. Vincent qui? Bah 20 centimètres. Merci. Bravo, Stéphanos. Je sais pas si on va avoir tous compris notre blague. Alors,
Alors, essaye d'en rester encore plus. Encore deux. Célestine, 4 ans, Brélu. Brélu, dans le 95, Val d'Oise. Bravo. Que mangent les amoureux? Que mangent les amoureux? Celle-là, elle est très mignonne. La vache qui rit. Ah, mais non, une pomme d'amour. Oh. Ah, une pomme d'amour. Merci, et Célestine. Et pour la meilleure... La meilleure? La meilleure? La dernière, tu veux dire? Oui, la meilleure pour la fin. Ah oui. Qui sait? Qui sait? Suspense. Abigail, 6 ans. Fréville et Escarbotin. Dans la Manche, c'est 80. Fréville et Escarbotin. Fréville et Escarbotin. Je savais pas que ça existait. Fréville et Escarbotin, Abigail. Et tu as dit que c'était où? Dans la Manche. Pas du tout. Quoi? Dans la Somme. D'accord. Pardon. Département 80. Département 80. Heureusement que Monsieur Géographie est là, hein, vous avez vu. Alors, celle-ci, elle est super. En plus, elle est bien d'actualité. Pourquoi les enfants ont mangé tous leurs devoirs? Bah oui, pourquoi? Bah oui, pourquoi? Parce que leur maîtresse a dit que c'était du gâteau. Oh. Et voilà. Merci bravo beaucoup les à enfants, tous. Bravo. Et sur ces belles paroles, on vous envoie plein de bisous. N'oubliez pas de nous envoyer vos blagues, vos dessins, vos commentaires. Et eh bien on vous dit à demain. Et puis on va chanter C'est bon pour le moral. 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 C'est bonbon. C'est bonbon. Allez, bisous. À demain.